amis, bienvenue sur mon channel La Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 7 au 14 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'oubliez pas que cette vidéo est déconseillée aux moins de 18 ans, d'accord? Ne me fatiguez pas dans les commentaires. Alright, et quoi d'autre? Donc la suite de cette vidéo sera postée sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre consultation. Ou si vous avez des questions que vous voulez me poser par, par email, cliquez as well sur le deuxième lien pour réserver vos questions, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi angels, please give me a reading for my Capricorns. Hi angels, please give me a reading for my Capricorns. I enjoy for my Capricorn for December 7th through the 14th. Reading for my Capricorn for December 7th through the 14th. Can I please have a reading for my Capricorn for December 7th to the 14th? Thank you. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici, qui essaye de s'apprêter pour des fêtes, s'apprêter pour des festivités, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que vous soyez ici dans une relation avec une personne qui est un artiste, un chanteur, un footballeur, un grand coiffeur, un coiffeur d'artiste, un maquilleur, tout ce qui est artiste. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez donc ici aussi être dans une relation avec une personne qui est peut-être un peu célèbre somehow. Si la personne n'est pas si célèbre que ça, c'est que vous avez ici affaire à un partenaire qui est juste populaire au sein de ses amis, populaire au sein de sa famille, populaire peut-être c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille et tout le monde parle de lui, même dans sa famille. Ceux qui le critiquent, c'est peut-être vous. Qu'on critique aussi. Ah non, mais ceux qui le critiquent dans sa famille le rendent célèbre. Parce que pourquoi tu parles de moi? Tu parles de moi pourquoi? Si tu parles de moi, tu me rends célèbre. Je sais pas moi. Ah non. Ok? So, on est donc ici dans une situation où vous avez sûrement un partenaire donc qui s'apprête ici pour certaines festivités, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a sûrement certains événements que votre partenaire a préparé. Si vous n'êtes pas ici carrément relié à quelqu'un qui est un artiste en tant que tel, c'est que vous avez ici un partenaire peut-être qui a été invité par certains de ses amis pour participer à différentes fêtes, différentes présentations, différents événements, différents discours. Something like that, d'accord? Si vous êtes ici relié à un artiste, c'est quelqu'un ici qui a peut-être un événement qu'il doit atteindre, un concert qu'il doit lancer. You know, a lot of things, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici être relié à quelqu'un qui est... Vous pouvez être relié à quelqu'un qui fait de la magie, d'accord? Je vois ici une danseuse, on peut aussi avoir affaire à un magicien, ça peut être un magicien de pacotille comme un vrai magicien. You know? Dans la vie, il faut toujours appeler les choses par le nom. On a les magiciens de pacotille, on a les vrais magiciens. Ne me fatiguez pas. So, vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un peut-être qui est un acrobate, mais je vois ici plus une danseuse, d'accord? Pour certaines parties, on a même ici quelqu'un qui fait les danses.
les vraies danses déconseillées, au moins de machin là. Il y a quelqu'un ici qui fait ça, ici. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui aimerait laisser tomber les côtés de sa personne qui sont très toxiques, laisser tomber les côtés. Peut-être si vous avez ici affaire à... Moi, je vous dis, il y a certaines personnes qui se convertissent, quoi. Donc, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui, dans le passé, aimait aller en boîte, etc., etc., il est probable que cette personne a changé aujourd'hui et que cette personne est devenue très, très saine. Elle ne fait plus ça. C'est terminé. C'est fini ce temps de fête et de machin. You know? Whatever. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici être lié à soi à quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion que vous. Il est probable que vous soyez aussi si relié à quelqu'un qui parle un différent langage que vous. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez par exemple affaire à quelqu'un qui est artiste mais qui parle une différente langue que vous, il est probable que vous suivez les événements de cette personne, mais vous ne comprenez pas ce que cette personne raconte. Vous regardez seulement. Donc, je vais vous donner un exemple. Voilà quelqu'un qui est anglophone. Tout ce qu'il connaît en français, c'est... Tout ce qu'il connaît en français, c'est... Voulez-vous coucher avec moi? C'est tout ce qu'il connaît. Même bonjour. Bonjour. Bonjour, il ne connaît pas. Tu vas lui demander qu'est-ce que tu comprends en français. C'est voulez-vous coucher avec moi? Anyway, il faut que je m'achète une cloche. Right? J'ai besoin d'une cloche. Parce que moi, si j'ai une cloche, je fais une pause comme ça. Pour parler des conneries comme ça. Anyway, non? Tu as peut-être fait un partenaire qui est peut-être quelqu'un qui est anglophone, qui ne comprend rien de ce que vous racontez. Hein? Et là, il écoute seulement, il écoute. Here. OK? Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez donc ici être connecté à soi, à quelqu'un que vous admirez énormément parce que cette personne a beaucoup de support, parce que cette personne a beaucoup d'amis, cette personne a peut-être une grande influence dans le domaine ou encore une grande influence sur le côté international. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est attiré par une personne qui est whatever, célèbre. Anyway. So, voyons voir si je peux avoir ici un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. On est donc ici dans une situation où vous êtes ici peut-être dans une période où vous avez l'impression que votre partenaire n'a vraiment pas le temps pour vous, ok? Vous avez peut-être l'impression que votre partenaire ne pense pas à vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que votre partenaire soit tout le temps en train de travailler au point où vous vous demandez, mais pourquoi tu travailles autant? Pourquoi tu mets autant d'énergie dans cette activité-là au lieu de passer beaucoup plus de temps avec moi? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ici l'impression que votre partenaire passe... dans le départ, peut-être avant d'être célèbre, whatever, peut-être vous avez ici l'impression que votre partenaire passait réellement beaucoup plus de temps à vous parler, beaucoup plus de temps à chercher à savoir ce que vous faites, où vous êtes. Et aujourd'hui, vous êtes sûrement très étonné de la transformation de cette personne. J'arrive pas à croire que tu sois devenu ici quelqu'un d'autre, d'accord? J'arrive pas à croire que tu avais en toi une graine qui n'avait pas encore germé. Moi, je dis, les gens qui se mettent dans les relations avec d'autres, avec, you know, d'autres personnes, and, moi, je sais pas quoi. Tu te mets dans une relation avec quelqu'un, sa graine n'a pas encore germé. On dit quoi? Molière n'est pas mon frère. Sa graine n'a pas encore, on dit quoi, germé, si c'est pas c'est français, c'est anglais, I don't know. En tout cas, sa graine n'a pas encore éclore, sa graine n'a pas encore poussé. On ne me fatigue pas, d'accord? Donc, tu te mets avec une personne qui a sa graine qui est toujours bien, on va créer un mot graineuse, d'accord? Et tu laisses tomber la personne 3-4 mois en plein milieu de la relation, au moment où il y a au moins des racines qui commençaient au moins à sortir un peu de la graine. J'ai fait les SVT, moi, j'ai fait ça.
au moment où les racines commencent à sortir un peu de la graine, tu laisses tomber la personne, tu disparais. 3 ans, 4 ans, tu reviens, la personne est devenue un arbre. Puis tu te dis, wow, je ne savais pas que tu pouvais être un arbre. Ta tête, tu ne savais pas que je pouvais être un arbre. Ta tête, tu veux que je te dise quoi? Non, je ne savais pas que tu pouvais être un arbre. Tu es sûre que tu ne savais pas que je pouvais être un arbre? C'est vrai qu'il y a des graines qui ne poussent jamais. Mais cette graine a été semée dans une terre qui était... C'est quoi le mot là? Je ne connais plus. Fertile. D'accord? Je pense que dans une partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu un partenaire qui ne vous connaissait pas, qui vous connaissait seulement dans la période où vous étiez, you know. Like everybody. Et aujourd'hui, vous avez un partenaire qui n'arrive pas à comprendre comment vous avez fait peut-être pour devenir une version si resplendissante au fait de votre personne. Peu importe que vous soyez célèbre ou pas, d'accord? Il y a sûrement certains investissements que vous avez pu faire dans votre vie qui aujourd'hui vous donnent un nom, aujourd'hui vous donnent un titre, aujourd'hui vous donnent ici une certaine responsabilité ou une certaine personnalité qui étonne votre ex. Parce que ça, je pense que c'est un Dagobert ou un Gérard qui est encore en train de déranger mes énergies. Il est encore là. Oh non, tes sommes sont presque finis. Mais qu'est-ce que les Dagobert font here? Parce que janvier là, on veut parler de quelqu'un d'autre. On attend les Rémi. Les Rémi, c'est pas très bien. Mais on attend les gens comme ça. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Si vous avez des questions, cliquez sur le deuxième lien pour m'envoyer vos questions. Vous pouvez essayer d'être connecté à quelqu'un qui est Sagittaire, Bélier, Taureau, Vierge et Capricorne. Bisous, bye bye.